Hey, salut à tous, c'est Rocanadis et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur mes poulettes. Donc le colis que j'avais déballé la ferme de Beaumont avec mes poulettes, c'était la vidéo il y a 5 jours. Voilà. Donc tout simplement, donc là ils sont hyper sociaux, je vous dis, c'est des poulettes de 3 mois, donc quand je m'assois ils viennent me voir, ils me montent sur la jambe et tout, ils sont super, quoi. Ils sont trop mignons. Donc là tout simplement je vais vous les montrer, donc ils se sont très bien habitués. Le seul truc c'est qu'il y a quelques piquages avec les autres poules, donc ça il fallait un peu s'en douter, hein. Donc au niveau de la poule des deux poules de soie, la petite pécane noire, c'est surtout celle qui les pique en fait. La Brahma ou l'autre de la poule Babette, enfin les emmerde pas vraiment. Donc voilà. Donc du coup moi j'avais mis cette cage en place là, mais après je sais pas, après mon père m'a dit que c'était pas terrible, enfin je pensais la nettoyer et tout, mais le truc c'est que les poulets, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu trop grands pour être dans cette cage, parce que je vous explique. C'est au niveau de la nourriture le matin que quand ils vont manger, les poules les piquent, elles mangent, enfin là j'ai mis cette mangeoire, et elles viennent les emmerder pour manger tout simplement. Donc du coup ils mangent pas et après ils réclament toute la journée de la nourriture, ce qui est un peu pénible, embarrassant. Du coup j'avais pensé mettre cette mangeoire dans cette cage et qu'ils dorment dans le truc, mais ils sont tellement grands que j'ai peur qu'ils meurent d'étouffement en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, donc cette cage je pense que c'est pas une très bonne idée. Après il y avait le truc de genre, je pensais mettre peut-être du grillage là, parce que les poules, ce qui est chiant c'est que là le matin, vous pouvez le voir, elles vont sauter l'autre côté, elles vont tous aller là, je les mets là, elles vont tous aller l'autre côté, donc il faudrait isoler, je voudrais fermer ça pour pas que les poules aillent emmerder les poulets, pour les mettre dans un coin là-bas, qui voilà, tout simplement. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous les ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre les poulettes, donc je sais pas comment je vais faire pour tenir la caméra et ça qui se barre. Là le poulailler, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été nettoyé. On peut le voir. Voilà, on voit tous les excréments partout. Donc là vous voyez, là je vous montre, là c'est une belle planche que j'ai faite qui est bien large, elle résiste. Celle-là, à tous les coups, comme s'il y a 4 poules qui montent, elle tombe. Donc tout simplement, il faudra que je refasse le perchoir de ce côté-là. Voilà. Donc là du coup ce qui serait bien, c'est que là en fait j'isole tout ce coin, parce que là il y a tellement de place pour 5 poules là de ce côté que pourrait aller là, et que je mette les poulettes de ce côté en fait. Tout simplement. Voilà. Donc là les belles petites poulettes, comme vous pouvez le voir, qui sont super. Donc celle-là j'ai appelé Cannelle et le Chili, comme le groupe Red Hot Chili Peppers. Enfin, si vous connaissez, c'est un groupe de rock que j'aime bien. La petite Faverolle, c'est la petite marraine, ce noir cuivré. Donc elles ont 3 mois du coup. Et à peu près 3 mois, une semaine. Voilà. Là, je vais prendre le Cannelle. Hop là. Doucement. Parce que les pattes sont fragiles. Encore à ce niveau. Voilà. Je vais la lâcher. Hop. Je vais prendre Chili. Bon, la Brahma, à la limite, si elle vient avec eux, c'est pas un problème. Parce qu'elle, elle les pique pas. Voilà. La petite Brahma perdrix. Donc là, comme vous pouvez le voir, les autres poules sont plus sauvages par rapport à mes poulettes. Bon, en même temps, il faut dire qu'elles ont vécu une attaque, donc ça les a pas rendues plus sociables. Hein. Une attaque de chien. Ça, malheureusement, les attaques de chien, ça arrive souvent. Donc là, c'est l'alimentation poussin. Au passage, j'ai acheté des petits vers desséchés, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, ils aiment beaucoup ça du coup. Des coquilles d'huîtres aussi. Donc ça c'est pour attraper les poussins. Voilà. Bon, je vous retrouve quand j'ai fini. J'ai mis toute l'alimentation, l'eau, j'ai changé l'eau et tout. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Donc là on se retrouve. J'ai changer l'eau, donc j'ai mis des vitamines. Donc là je vous ferai un tuto de toute façon prochainement sur les vitamines, enfin une vidéo sur les vitamines que je leur donne. Changer l'eau, j'ai mis la nourriture pour les adultes, les cookies d'huîtres, donc pour le calcium et pour renforcer les œufs, et l'alimentation pour les poulettes. Donc là ils ont pas l'air sain. Vous voyez, même la Brahma elle la pique, donc déjà elle, je vais la virer. Voilà. Là,
Là, le but c'est que les poulettes elles mangent, c'est ça le problème, comme vous pouvez le voir, sans se faire piquer. Comme vous pouvez le voir là, elles viennent manger, c'est toutes les poules en fait qui viennent les embêter. Il faut que je trouve un système pour plus qu'elles soient embêtées. Là, ça picore bien, ça mange bien. C'est le petit déjeuner. Donc là, si vous voyez, si là je lâche les poules directement, là ils vont se faire littéralement piquer dans tous les sens et ils vont se parer tout simplement. Voilà, donc c'est ça le problème en fait. C'est qu'après ils vont se laisser mou, enfin pas manger, ils vont pas manger quoi. En laissant l'alimentation aux autres, alors que les autres elles ont cette alimentation qui est mieux adaptée pour elles. Là, comme ils ont 3 mois, il faut leur donner l'alimentation de poussin. Et quand vous passez à 4 mois, il faut passer à l'alimentation de poulet. Et au bout de 6 mois, vous passez à l'alimentation normale, adulte. Voilà. Donc, j'ai acheté 31 € la poule. Donc, les deux, là, 31 € chacune. Poulette, on va dire, 3 mois. Donc, voilà. Donc il y avait aussi la possibilité d'avoir la Faverolle à 4 mois, mais j'ai préféré qu'elles aient le même âge toutes les deux, voilà, tout simplement. Franchement, la ferme de Beaumont cite très bien. J'ai voulu tester une fois, mais après j'avoue que, enfin, je sais pas, par exemple quand j'ai reçu les deux poulettes, le livreur nous a dit qu'il valait mieux pas qu'on commande quand il fallait qu'il fasse chaud, parce que il a dit que la semaine d'avant il avait eu je sais pas combien de poulettes mortes dans les colis, donc les gens recevaient les colis, ils ouvraient, ils retrouvaient leur poulet mort, c'est super fin. Je vois un peu la tête des gens quand ils découvrent leur poulet mort dans le colis. Donc j'ai vu que sur une feuille il y avait écrit, parce qu'en fait ils vous donnent l'explication sous la paille dans le colis. Et entre 0 et 30 degrés ça va, mais si jamais les températures sont à moins de 0 degrés ou au-dessus de 30 degrés, il y a des risques que vous pouvez retrouver vos poulets morts avec la chaleur ou quand il fait trop froid. Voilà. Donc évitez de commander quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Moi j'ai eu la chance, ils sont arrivés chez moi, il y avait de l'orage, il faisait frais, donc ça allait. Bon, après on peut pas trop savoir comme ils traversent, là ils ont traversé, ils sont arrivés jusque dans l'Aquitaine, ils ont traversé. Ferme de Beaumont, c'est vers la Bretagne, enfin Normandie, ouais c'est en Bretagne. Ils ont traversé pratiquement la France quoi, pour arriver jusqu'à chez moi, donc dans le Lot-et-Garonne quoi. Et je sais pas après, par exemple, si jamais j'en sais rien moi, il fait hyper chaud dans une région que chez moi il pleut, je peux pas savoir par exemple. Et ça le truc que j'ai trouvé un peu, voilà, comme vous pouvez le voir. Mais là voilà, ils se sont très bien comportés, enfin ils étaient très bien, en bon état quand ils sont arrivés. La petite Faverolle saumonée et la Marraine noire cuivrée.
il faut savoir que la marraine surcuivrée, c'est une poule charentaise. Et la faverolle, ça vient du village de Faverolles, comme son nom l'indique. Mais il faudra que je me renseigne. De toute façon, je vous ferai une vidéo présentation des deux races. Il me semble que c'est breton. Je veux pas dire de bêtises. Enfin, je suis pas sûr. Je pense pas que ça soit ça, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça, c'est sûr que la marraine, c'est charentée. La poule aux œufs d'or, comme on l'appelle, qui pond des œufs marrons, chocolat. Voilà. Bon, maintenant je vais rouvrir la basse-cour, maintenant qu'ils ont mangé. Je vais ouvrir tout le petit monde. Hop. Comme ça. Voilà. La poule de soie, pomponnette, la pékin noire. Fijac, que je l'appelle parce que je l'ai acheté à Fijac dans le Lot. Donc là, les deux pipettes blanches, elles n'ont pas vraiment de nom. Donc normalement, c'est Neige et l'autre. Enfin, voilà, ils n'ont pas vraiment de nom. Je les appelle pipettes blanches, toutes les deux. Et après, normalement, la Brahma, ouais, je lui donne pas trop de nom. Pas vraiment de nom, quoi. Là voilà les poules qui me restent de l'attaque de chien qui s'est déroulée en septembre, donc il y a pratiquement 10 mois. Donc là on est en juin, les rescapés. Je peux vous dire que quand vous retrouvez les cadavres morts de votre coq Brahma, votre poule, votre première poule et tout, ça fait mal quand même. Vous êtes un peu mal. Parce que voilà, quand vous avez des poules, ça fait un temps que vous les avez câlinées, que vous en êtes occupé, que ben, c'est vos pépettes quoi, ça fait un peu mal. Personnellement, je pense que plein de gens qui élèvent des poules ont déjà vécu des attaques au moins une fois dans leur vie, je pense, parce que enfin au moins une fois depuis qu'ils ont des poules. Moi, toutes les personnes que je connais qui ont des poules, ils ont toujours au moins une attaque dans une fois, en connaissant, en sachant que c'est des gens qui avaient quand même des volières ou des choses comme ça, attaque de renard, de chien, etc. Voilà, tout simplement. Donc je vous donnerai plus de nouvelles de mes poulettes, hein, évidemment, dans d'autres vidéos. Donc là, elles se comportent très bien. Il y a juste par rapport aux autres, que les autres, même, je les ai mises de nuit. Hein, j'ai fait ce que je vous avais dit, mais ça n'a pas marché. Continue. Elle les pique quand même. C'est au niveau d'aller manger, en fait. Quand ça parle de manger, là, les poules, elles les piquent toutes. Mais je vous jure que là, les poules, elles n'ont pas fini de grandir. Parce que ça, c'est deux races grandes. Et quand elles vont être complètement adultes, je pense que les autres... Là-bas, elles vont morfler, elles vont payer. C'est souvent comme ça que ça marche. Les poulettes, après, quand elles sont adultes, en général, après, elles s'imposent. Pour l'instant, c'est des petites poulettes, mais après, ça va devenir des géantes. Là, vous voyez, elles sont pas du tout, elles sont hyper sociables. Comme vous pouvez voir, moi je trouve que la faverolle de face a vraiment une tête de chouette. Je sais pas comment le dire, mais elle a vraiment une tête trop mignonne. Même la petite marraine, elle est assez jolie. Ils ont le jabot bien plein.